Bon, messieurs, Oui. Et les séquences d'action, vraiment pas mal. je vous remets la carte. Je fais un petit Ça va. débriefing. Un peu court. Ah oui, merde. Ah oui, merde. Mais non, il est mort. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, bon, oui, alors, oui. ça va. Oui, non, mais Ah oui, merde. je me rappelais merde du mauvais mouvement. Ouais. Moi, je me souvenais que je me souvenais plus s'il était vivant. Bah, ça se passe à la barre de vie, là. Oui, tout à fait, mais tu sais. Donc petite situation, hein, nous avons, vous êtes fait attaquer, la ville de Pointe-Sable s'est fait attaquer par des géants. Vous savez pas trop ce qu'ils voulaient. Pour le moment, vous en savez pas trop grand-chose. Vous savez qu'il y a encore quelques, enfin la ville s'est fait attaquer par des géants, des ours et un géant un petit peu plus un petit peu plus gros que les autres, qui semble être le chef, hein, puisqu'il avait deux gros piolets. Dans ses mains, mais vous avez réussi donc à le terrasser. Non, 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 Gaël, tu n'auras pas les règles mythiques. Gaël essaye d'ouvrir les règles mythiques. Gaël essaye d'ouvrir tous les modules à chaque fois qu'il ouvre Fantasy Ground. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, où je peux cliquer? Donc, voilà. Donc, le fameux Terrak est décédé. Je vous l'apprends. Il s'est fait donc empaler par vos armes. Et donc, nous en étions rendus, effectivement. Hop, hop, hop. C'est quoi ce bordel? Pourquoi j'ai autant de... Voilà, c'est mieux. Ok, donc Chalélu et puis Meko vous ont donné quelques coups de main hein, pour abattre le dragon rouge qui survolait la ville de Pointe-Sable en cramant quelques bâtiments. Donc... Alors, attendez, il faut que je revienne. Ah, bah oui, on est au 24e. Donc, ça, c'est fait. J'ai un peu mal. Ouais, ça va. Ça va, tout Et les douanes, t'as quand même soigné. Pas mal, quoi. Et tout d'un coup, après que Taraknitnus soit tombé en faisant un énorme bruit, vous entendez un son de cor résonner dans. Pas du tocsin, hein, du tocsin. Un cor, vous entendez un cor. Ben, vous voyez dans la ville, hein, les. Quelques bâtiments ont pris feu. Le combat semble être terminé. Mais vous voyez donc quelques personnes sortant des maisons un peu timidement pour voir ce qui se passe. Et puis rapidement, vous revenez au centre de Pointe-Sable, c'est-à-dire près de la cathédrale. Pour revoir un peu les dégâts de ce qui s'est passé. Donc en gros, je vous la fais courte. Hein. Les géants... Donc ça, ce sont des rumeurs. Enfin, pas des rumeurs. Hein. Les gens parlent, vous disent ce qu'ils ont vu. En d'autres termes, le Père Xanthus, la mère d'Evrin, et le prévôt, qui était présent, ont été kidnappés. Ils ont été pris par des géants pendant que vous étiez en train de défendre ce coin-ci. Malheureusement, des géants ont pris ce qu'ils pouvaient dans leur grand sac, comme vous avez pu vous en apercevoir, hein, puisqu'ils prenaient des gens au hasard qu'ils mettaient dans des sacs. Et donc, vous apprenez que la mère a été enlevée, que le père Xanthus a été enlevé, que le prévôt a été enlevé. Vous avez appris aussi, donc tout ça en fait, c'est après avoir
éteint les feux, etc. Vous avez appris que les villageois, grâce aux techniques acides, etc., de comment qui vous savez, on vous aviez décidé de mettre des gens sur les toits pour balancer des soit des flasques de d'acide ou des bombes incendiaires, des choses comme ça. Et ça a bien marché puisque il y a pas mal de cadavres de géants dans les rues de Point de Sable, et vous apprenez que ils ont réussi. Les gardes de Point de Sable ne sont pas si mauvais que ça. Ils ont réussi à faire tomber un géant et à en faire un prisonnier. Il est tombé dans une fosse et ils en ont profité en fait pour lui asséner des coups et donc le rendre immobile. Du coup, il y a un prisonnier géant qui peut être interrogé. Vous avez appris aussi que certains géants se sont dirigés, je vais vous montrer, près du phare de Point de Sable, le phare qui est complètement détruit, et ont commencé à donner des grands coups de pioche dedans pour y récupérer quelque chose. Certains habitants ont pu voir qu'en fin de compte, les géants, après avoir donné des grands coups de pioche dans le phare, ont pris quelque chose qu'ils ont mis dans leur sac. Il semble que ce soit des morceaux de pierre. Pourquoi ? C'était le phare, donc. Donc là, le village, il n'y a plus de tout dur. Là. Les géants, et effectivement, le corps a sonné la retraite des géants. Et rapidement, vous voyez donc les géants partir en courant de la ville de Point de Sable, partir en direction des plaines de Storval, ouais, du plateau de Storval, par là où ils sont arrivés en fait. Bah, qu'on les rattrape. Alors, il y a plusieurs choses. Attendez, je vais vous montrer la carte parce que ce serait bien que je puisse la retrouver, cette carte. Voilà. Alors, je vous remets la carte que j'ai dessus, hein, cette carte-ci. Donc en fait, alors, bon, ça doit pas être difficile à pister, les gens. C'est sûr. Donc les feux de la cathédrale ont été éteints. Il n'y a pas trop de dégâts, en tout cas. Attendez, hop là. Voilà. Donc il y a quand même quelques dégâts, mais ça aurait pu être pire, hein, si vous n'aviez été, si vous n'avez pas intervenu. Ça aurait pu être bien pire. Vous apprenez aussi que certains géants ont été commettre quelques pillages dans les maisons plus au sud de Point de Sable. Vous savez, c'est cette petite île, en fait, cette espèce de petite presqu'île où sont toutes les maisons des fondateurs de la ville, dont celle de la mer. Et vous apprenez qu'en fait, la maison des Scarnetti a été complètement pillée par les géants. Donc les géants sont partis avec non seulement des otages, mais en plus ils ont pillé les maisons les plus huppées de Point de Sable, comme s'ils savaient où aller en fait. Hein. Prêtre. C'est possible. Oh, prêtre. Non, traître. Ah pardon. Et Edouane. Par contre, Edouane, t'es sollicité énormément parce que il y a beaucoup de blessés et le père Xanthus, parce que le père Xanthus, comme il était le seul prêtre de Point de Sable, qu'il a été enlevé, effectivement, on te demande de venir aider au mieux les pauvres gens qui ont été blessés par les géants ou etc. Que fais-tu lorsqu'on vient de te demander ton aide? Refuses-tu ou acceptes-tu? Je disais, j'ai
Je disais. J'avais pas appuyé sur le bouton. J'aide et je sois allé. Parfait. Le géant a été placé, je vais mettre là le 1, en plein milieu du terre-plein central de la cathédrale, là où généralement il y a le marché ou les fêtes et choses comme ça. Donc vous voyez qu'il est encore encordé méchamment par les habitants, on lui donne des coups, etc. Les XP. Ah, tu vois le vol là, regarde. Je vais interroger le géant, moi. Ah! Parfait. Moi, bon, Chalelu est complètement désappointé. Ameko, pareil, quand elle apprend que finalement les responsables pratiquement de la ville ont été. Ont été, comment dire, kidnappés, hein, pour quelle raison, on se pose des questions par rapport à ça, et elle aide au mieux avec toi et les douanes, ainsi qu'Ameko, de soigner les blessés, etc., de faire le tour de la ville pour voir s'il n'y a pas d'autres traces de géants et voir s'il n'y a pas d'autres blessés, etc. Il y a quand même quelques bâtiments qui ont été complètement effondrés par les géants lorsqu'ils prenaient les gens dans les maisons, etc. Donc il y a des toits arrachés, etc. Et donc Vinmar, toi tu t'intéresses en fait au géant qui est dans un sale état mais qui est encore disons disponible pour répondre à encore quelques questions. C'est le moment disponible. Donc il a accroché, tu vois, donc on le maintient fermement, hein, on lui a mis des cordes, on l'a encordé, quoi. Il peut pas s'enfuir, c'est pas possible. Et en plus il est blessé. Bon, on va falloir te mettre à table, hein. Ah bon, qu'est-ce que vous cherchez au village? On va manger. Quand est-ce qu'on mange? Sur un coup de tétane. Ouais. Le pauvre de mon bébé. Dans les parties. Hein. Ouais. Donc le géant blessé plisse un petit peu les paupières, il fronce les sourcils et il fait vaincu par de petits humains fuineurs. Je n'aurais jamais cru que cela puisse arriver au peuple du plateau. Les deux alphins. Il est encore plus microscopique que ça. Bon, je lui coupe un doigt. Tu me fais un jet de... Intimidation, ouais. Parce que là, je vais pas te demander de faire un jet de diplomatie, parce que là, c'est un peu... C'est pas très diplomate. C'est pas très diplomate. Mais l'intimidation, effectivement, peut fonctionner. Sur un malentendu. Ouh, oh là là là, putain. Ouais, alors, mais bon, les malentendus, ça arrive. Hein. Ah là, non. Ah mais non, mais là, non, je dois. Alors, là, je dois. Alors, attendez, parce que là, mon DD était de 30. Il était pas évident. Donc là, apparemment, le fait de lui avoir tailladé le doigt et puis de lui parler vraiment brutalement, etc. Tu vois qu'il est apeuré. Tu le vois apeuré. Bien, ok, je vais tout vous dire. Monseigneur est le puissant Mokmurian, un des sombres géants des temps anciens, désormais de retour. Sa magie, ce qu'il fait, il a convaincu les tribus qu'elle régnerait à nouveau sur les basses terres, jusqu'à la mer. Il maîtrise les arts anciens, il vous tuera tous, écrasera vos minuscules maisons avec l'armée qu'il a rassemblée. Les plus chanceux d'entre vous deviendront ses esclaves. Vous nous avez peut-être vaincus aujourd'hui, mais ce ne sera pas le cas quand une centaine ou un millier d'entre eux, des enfants du plateau, marcheront ensemble. Grâce au Seigneur Mokmurian, c'est pour bientôt. Il est presque... il est presque aussi beau parleur que vous, petit être. Tu vois qu'il se gratte le nez. Terracninus, c'était le chef de notre groupe d'éclaireurs. Il nous a convaincus que vous seriez des proies faciles et que nous deviendrions riches, à l'évidence. C'est dommage, c'était lui la proie facile.
Eh bien, à l'évidence, effectivement, il vous a sous-estimé. Et il a payé cher pour son erreur. Je n'ai aucun intérêt à payer moi aussi pour cette erreur. Laissez-moi quitter vos terres et je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Ouais, bah vas-y, raconte. Bah, posez-moi des questions. Vous cherchiez quoi? C'était quoi cette pierre que vous avez prise dans la tour? Je ne sais pas. Il a... Teracninus nous a dit et a affirmé qu'il était en mission spéciale pour le seigneur Mokmurian, mais n'a pas précisé de quoi il s'agissait. Il a seulement dit à certains d'entre nous qu'il fallait aller au phare et récupérer des pierres. Extraire des pierres. Et pourquoi avoir enlevé des gens du village ? Écoute de retour. Ça, c'est juste quelques casse-croûtes pour nous. Et vous connaissez bien les lieux. Il y a un traître dans le village. Qui vous a raconté les dispositions des lieux? Ce que je sais, c'est que tout ce que je sais, c'est Teratninus qui me l'a dit. Je n'en sais pas plus. Bref, tu sais rien, quoi. Si, je sais. Je sais beaucoup de choses. Et où est-ce qu'ils vont? Où est-ce qu'ils sont allés, ouais. Ils vont à Jorgampoint. Et c'est où? Bah, là, il est sur sa carte de sa poche en pierre. Et... alors, tu vois, là, tu prends la deuxième. Puis... Jorgampoint se trouve dans la vallée de la Tour Noire, au cœur des Pics de Fer. Elle domine les eaux de la Mushkale, mais on peut aussi s'y rendre en voyageant vers l'est à partir des escaliers de Storval. Le seigneur. Le marine, bordel! Je prends les hâtes! Je suis en train de. Jorgampoint se trouve dans la vallée! Alors, Jorgampoint se trouve dans la vallée de la Tour Noire, au cœur des Pics de Fer. Tour. Loin. Noir. De la Varésie? Ouais. Tous les Pics de Fer? Pas loin des Pics de Fer? Au cœur des Pics de Fer. Au cœur des Pics de Fer. Au cœur des Pics de Fer. Réponse C. Réponse C. Vincent, t'appuies pas sur ton bouton. Oui, on parle là. Non, mais il veut pas parler. Oh, c'est bizarre. Ouais, tiens. C'est bon. Ouais, tiens. Ouais, ça balance des SMS, hein. Je l'entends bien, Vincent, je l'entends bien. C'est quoi? Rien. Alors, je le répète, donc Jorgampoint se trouve dans la vallée de la Tour au cœur des Pics de Fer. Elle domine les eaux de la Mushkale. Attends, les eaux de la Mushkale. Les eaux de la Mushkale. Oh, je les cherche là. Je les vois. Oui, pareil, je les vois pas. Les eaux de la Mushkale? Ouais. Oui, les eaux de la Mushkale. Ouais, c'est une bonne question parce que moi non plus je les vois pas. Non, il dit la vérité, mais ça doit être un petit rivière qui doit pas être marqué sur la carte. Comment ils s'en sortent, c'est pas possible ça. Ouais. Trouve-nous déjà, t'as dit où se trouvent les eaux de la Mushkale, à côté de quoi? Attends, il y a la bise de Storval, il y a les plateaux de Storval. Bon, si on arrêtait de jouer avec mon doigt, ce serait sympa. Alors. Ah, enfin. Donc c'est putain, c'est où? Bah, ça pourrait être la rivière qui descend. C'est rare les rivières qui montent. Alors en fait c'est ici en fait, c'est là. La Mushkale, c'est cette rivière qu'on voit pas en fait. Ah oui, d'accord. Qui n'est pas identifié. En fait, c'est au cœur des Pics de Fer. Au cœur des Pics de Fer. Attendez, hop. Voilà, les Pics de Fer, ça ressemble à ça. T'écris comment, Mushkale?
Mushkal, tu l'écris Mushkal. Écoute Vincent, voilà. Qu'est-ce que je suis fort, j'ai Regarde. Exactement écrit ça comme ça. Ah, ouais, c'est bon, donc Jorgampoint se trouve au cœur de la vallée de la Tour Noire, au cœur des Pics de Fer. Elle domine les eaux de la Mushkal, mais on peut aussi s'y rendre en voyageant vers l'est à partir des escaliers de Storval. Le seigneur Mokmurian réside sous la forteresse en un lieu caché où nous n'avons pas le droit de nous rendre. La forteresse cachée, elle est pas indiquée sur la carte. Non, c'est normal. Parce que c'est caché. Parce que c'est caché. Et il y a quoi alors là-bas dans cette forteresse? Tout notre armée qui attend pour venir attaquer la Varisie. Ça fait pas peur, hein, franchement. Ouais, franchement, c'est pas épique. Hein. En plus, moi je ressens pas beaucoup d'émotions. Hein. Ouais, y'a pas d'étoiles noires, c'est vrai. Ouais. On s'y attendait. Hein. Franchement, c'est pas terrible. D'accord, ok. Il a au moins 7 tribus sous ses ordres. Chacune comprend des douzaines de membres. Il a aussi enrôlé un nombre non négligeable d'ogres, de géants des collines, d'étains et de trolls. Il bénéficie également du soutien de plusieurs lamis, des servantes dégénérées de la mer des monstres. Ouais, vous êtes quelques-uns, ok. Des milliers. Petit déjeuner, le déjeuner. Ouais, vous êtes quelques-uns, c'est bon. Mokmurian va tous vous terrasser. Fuyez, pendant qu'il est encore temps. Pauvre fou. Ah. Non, non, il te dit pauvre. Non, je l'ai vu, il n'y a pas d'émotion, c'est pas... Quand il descendra... du plateau de Storval, Mokmurian vous prendra tous. Par derrière. Ça va faire mal. Pas que tout en finesse. Avez-vous d'autres choses à lui demander? C'est quoi le mot de passe? Le mot de passe. Quel passe? Y a pas de mot de passe. Mot de passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est okay. Ah oui, quand c'est même. Bon, je note qu'est-ce que c'est que ça, c'est le mot de passe. J'ai peur. Ouais, il en a vu combien des lamis? Il en a vu au moins une dizaine. Par contre, vous pouvez me faire des jets en psychologie, s'il vous plaît. C'est pas compté. Tu as ouvert une fenêtre, Stéphane, qui est censé représenter des trucs. Oui. Alors, oui, pourquoi? Oui. Déco pique de fer. Elle est vide pour moi, mais bon. Ah oui? Vous l'avez pas vue, celle-là? Si, moi j'ai vu. Elle est vide, il y a rien du tout dedans, pour moi, elle est blanche. Page blanche. Je la remets. On l'a fermée, là. Ah, oui, si. Loading. Juste, ah, bon. Runtime error. Comment on avait fait déjà de sauver des copiques de fer, please restart Fantasy Ground. Un reset cache. Ouais, parce que tu as un problème de cache, Vincent. T'as plus de place dans ton cache. D'accord. Voilà pourquoi. Okay. C'est bien, maintenant ça explique pourquoi ça marche pas. Non, c'est bien, c'est bien. Bien. Alors, dans la tour cachée, les psychologies, on recommence. C'est Yavin, hein. Ah, mais Vidmar aussi! Psychologue, hein. Alors, j'ai de psycho. Pas psycho! Tout le monde a psychologie. Oui, mais je suis pas psycho. Il me manque deux autres jets. Non, il manque un G. Il manque celui de Gaël. Ah, je l'ai fait. Avant d'écrire dans la tour cachée. Ah, d'accord. Ah, parce que... Non, il y est pas. Ah non, il y est pas. Ah, pardon. Il y est pas, il y est pas. Ah, je me suis...
Maintenant, yeah. Ok, pas de problème. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à ce géant? Et est-ce que qu'est-ce que vous allez en faire? Il vous a proposé, une fois tout dit, de le libérer et il s'en ira. Il quittera les terres. Pour toujours. Il reviendra même pas dans l'armée de Mokmurion. Il s'en ira. Oui, on croit. Bah, il va aider à reconstruire, hein, déjà. Ah bah il peut faire ça, effectivement, il est prêt à aider. En attendant, il va rester, quoi. Il est prêt à aider, enchaîner s'il le faut, je pense, hein. Vous pouvez trouver des chaînes, etc. pour enchaîner les géants, mais il peut effectivement aider à reconstruire. Les habitants sont pas trop chauds, mais lui est d'accord pour se repentir de cette manière-là. Et sinon, qu'avez-vous d'autres est-ce que vous avez d'autres questions avant de le libérer et d'aider la ville à lui poser comme question ou vous semblez avoir tout demandé? Bah, il fait quelle taille, Mokmurion? Un géant des temps anciens, est-ce que ça nous permet de savoir quel type de géant c'est? On peut se dire que c'est pas un géant des pierres? Alors, ce qu'il te dit en fait sur ces anciens seigneurs dont il parle, Ouais. c'est qu'ils n'existent plus aujourd'hui, mais nos anciens prétendent qu'autrefois ils régnaient sur nos ancêtres, qu'ils les tenaient D'accord. en esclavage et qu'ils les ont forcés à construire des monuments qui ornent à présent la Varizie. Beaucoup de mes frères pensent que Mokmurion est un de ces anciens seigneurs revenus du passé pour reconstruire son empire. Et là, tu te dis, putain, mais oui, bien sûr. Ouais. La Je tête. vais le retrouver. La Varizie est remplie de monuments gigantesques, que ce soit les monuments que vous avez pu voir, par exemple, les 1000 monuments à Magnimar, ou bien encore, par exemple, toi, tu es originaire de Port Enigme, tu sais qu'il y a une espèce de grande arche. Ouais, tout à fait. Et là, tu fais tilt, bien évidemment. Tout ça, ce sont des monuments qui datent de la Tassilon, et donc, du coup, effectivement. Bien, il fallait avoir des géants sous ta coupe pour pouvoir créer ce genre de monument énorme. Et donc, ben, ces anciens seigneurs, effectivement, peuvent être Mokmurion peut être un de ces anciens, un de ces comment, anciens esclaves qui a servi auprès des seigneurs de commandes de la Tassilon il y a 10 000 ans de ça. Donc c'est vraiment un ancien, effectivement. Et puis en plus, on sait qu'il a de la magie. Par contre, on sait pas si c'est un géant de pierre ou autre chose. On peut peut-être lui demander quelle religion il suit. Bah, est-ce qu'il l'a déjà vu déjà? Oui, il l'a déjà vu. Il sait que où il se Fait quelle trouve. taille? Il fait la taille de Terracnidnus. 4-5 mètres. À peu près, ouais. Et il te dit qu'il utilise l'art ancien ça, il te l'a dit, hein, qu'il utilise l'art ancien de la magie, en fait. Et l'art ancien de la magie, ce sont les runes. Donc, il utilise les runes comme magie, en fait. Ça me rappelle un monstre que j'ai vu dans un vestiaire. Il est très puissant. Très puissant. Il est très puissant. Ouais, et donc il a des runes sur le corps? Oui, il a des runes qui sont sur son corps. On n'a pas le niveau. Au niveau 10, si, largement. Vous avez combattu un dragon, Terracninus. Ah, vous êtes. Bah, le dragon, C'est bon. on l'a tué en un round. Voilà, tu te rends compte, toi? J'ai fait un round, mon dragon, quoi. C'est honteux. C'était un aragonais. Ouais, Bon, alors bah voilà. les runes, ça peut être aussi sur les cuirasses, aumes, boucliers de l'époque tessilonienne.
son équipement. Il tend vers la divination et la transmutation. Qu'est-ce qu'on fait? On se lance à leur trace le plus rapidement possible? Est-ce qu'il sait quel dieu il se réfère, Mokurion? Non. Lui-même. Ouais, c'est un dieu lui-même. C'est ça. Non, non, il ne sait pas. Ouais, y'a plus que ça. Ok. Alors, le raid est arrivé de bonne heure le matin, donc le temps d'interroger et de soigner et de faire un tour, il est à peu près 10h du matin. Il va falloir peut-être à ce moment-là prendre une carte, regarder par où vous allez aller en fait. Hein. Bah, on peut-être suivre la piste, non? Avec Chalilu, viens avec nous. Alors Chalilu vient vous voir au bout d'un moment et elle fait il n'y a plus personne dans la ville, il n'y a plus aucun contrôle, le prévôt étant kidnappé. Avec Ameko, on va rester dans la ville. Ce sera pourrait organiser les défenses si jamais ils doivent revenir. Fort, ils vont tirer les PNJ. Voilà. Maintenant qu'elle a un arc puissant, je l'ai vu. Maintenant, voilà, elle se barre. Bah, elle peut filer son arc. Hein, si... Elle peut filer son arc si quelqu'un sait tirer à l'arc. Je crois que l'ancienne sœur de. Ah, c'est ballot. Ah, c'est ballot, dis donc, il y a un bel arc. Aucune idée, moi j'ai plein de petits. On appelle ça des punaises. Des punaises, oui, voilà. Donc, je vous ai fait deux points de sable. Votre trajet qui pourrait ressembler à ça si évidemment donc vous êtes en train de regarder la carte par où vous passez, etc. Donc il y a des pistes qui longent en fait la Charbonneuse. Il y a 2-3 villes où vous pouvez faire halte, hein, comme par exemple le lac de Braise, près du lac de Braise, à Gelburia, l'oreille du loup, l'angle corbeau, pour arriver jusqu'aux escaliers de Storval. Vous voyez que là où il y a les escaliers de Storval, c'est quand même assez montagneux dans ce coin là et donc la passe de pack de montagne, tout va bien. Ouais, donc pour arriver au pic de fer faut prendre une fameuse escalier de Storval qui vous emmène en fait au cœur au cœur des pics de fer en fait, là où se trouve Georges Campon. C'est votre destination finale, c'est la petite punaise rouge que j'ai mis à la fin. Donc se trouve Georges Campon ici au cœur des pics de fer. Et le fleuve qu'il y a, il y a de la Mushkal. C'est le fleuve Mushkal qui traverse les pics de fer. Faut s'attendre à quoi au niveau climat, la pic de fer? Froid. Et donc montagneux quoi. Donc il faut montagneux. Vers l'escalade. Exactement. Il va aussi vous falloir peut-être des. Alors en fait, en gros. Parfait, parce que les douanes sont très fortes en escalade. De Point de Sable jusqu'à Georges Campon, il y a à peu près 500 km. Il y a environ 370 km de route, 90 km de prairie et 40 km de collines accidentées et de basses montagnes. On arrive à rattraper les géants. Attendez, là c'est juste vous êtes autour de la table en train de discuter par où vous allez passer, etc. On a peut-être pas besoin d'aller jusque là-bas, on va déjà rattraper le pop-up. D'accord. Déjà qu'ils n'arrivent pas avec leurs éléments de... Bah disons que c'est des géants, donc eux ils vont pas se prendre la tête, ils vont traverser les montagnes. Hein. Donc les monts ils vont passer par le lac de Braise, les monts Malgoriens, et puis passer directement sur les pics de fer quoi. Et ils vont traverser quoi. Vous pouvez pas le faire, c'est pas possible quoi. Donc de toute façon on peut pas les rattraper, c'est ça? En d'autres termes, il y a Chalilu qui est autour de la table, a fait eux ils vont passer effectivement par là. Donc ça va être très difficile de les de suivre leur chemin. Donc on n'a aucune chance de libérer les notables, dans le sens où ils vont se faire boulotter d'ici là-bas quoi. Bah il y a des chances, enfin après je sais pas, ça dépend.
Ça dépend combien de temps vous allez mettre pour arriver jusqu'au cœur des pics de fer. Est-ce que vous allez être plus rapide ou moins rapide? Est-ce qu'eux vont faire des haltes, etc. En tout cas, vous, en passant par là où j'ai fait les petites les punaises, etc., il vous faut à peu près une quinzaine de jours pour arriver jusqu'au pic de fer. Faut être bien équipé. Est-ce que vous allez partir avec des chevaux, etc., ou pas? Donc là, à cheval, ça c'est top. Les 15 jours, c'est des 15 jours à pied, hein. C'est pas 15 jours à cheval. Hein. Chevalier, hein, donc j'ai un cheval. Oui, mais c'est bien, t'arriveras tout seul devant alors. Ouais. Ok. Y'a que moi qui aura des XP, je vais tuer toute l'armée des géants, tout seul. Donc en fait, le but c'est de remonter la route de la côte oubliée jusqu'au lac des Braises. De là, passer par Caldurie, Oreille du Loup, Langue Corbeau, emprunter l'escalier de Storval. Une fois au sommet des marches, diriger vers l'est, vers les pics de fer, et arriver dans la vallée de la Tour Noire. Chalelu vous dit qu'elle connaît un petit peu l'endroit, donc elle peut vous dire que y a pas mal d'ogres dans les plaines, etc., près des monts Malgoriens, donc faites attention à ce que... faites attention parce que dans cette région-là, ils sont assez nombreux. Sinon, si vous suivez les pistes, à partir de Langue Corbeau, vous ferez la route par des pistes. C'est plus que la campagne, en fait, de Langue Corbeau jusqu'aux escaliers de Storval, c'est plus que de la campagne. Après, ça va se compliquer un peu. Vous avez un petit peu de complications aux escaliers de Storval, puisque ça monte, ça grimpouille un peu. Et là, il va falloir prendre conscience que vous arrivez dans le territoire des géants. Et là, il va falloir vraiment faire attention où vous mettez les pieds et être le plus discret possible. Voilà. En géant. Pardon ? On se déguise en géant. Ben, je sais pas, tu prends tes. Tu prends Eledwen sur tes épaules et tu mets un. Pourquoi faire ? Pour te faire passer pour un géant. En tout cas, j'avais pas lu. Colchique dans les bon. Prés. Logo chic dans les prés. C'est pas mal. C'est bon, Coco, on la garde. Sans la branzella. Comment faire le buzz sur internet avec des conneries pareilles? T'es effondré. En même temps, faut des joueurs un peu vieux hein, pour qu'ils comprennent. Hein, oui, mais... tu comprends pourquoi j'ai recruté Franck, hein, c'est à cause de ça. Ouais, si j'avais recruté un petit jeune et qu'on me faisait des blagues comme ça, il a rien compris, quoi, donc c'est pas drôle. Quand même un minimum qu'on comprenne les blagues qu'on fait, quoi, que le joueur qui est avec nous comprenne, quoi. Un minimum, quoi. Bon, ben, j'attends votre décision, savoir ce que vous faites, comment vous équipez, comment vous qu'est-ce que vous prenez le pack pour. De montagne, on l'a déjà, donc on d'accord, bah, le pack du Bitos. De quoi? Ouais. On a déjà tout l'équipement. D'accord, donc. Sauf pour l'escalade. Ah si, on avait déjà scan. Oui, vous aviez l'escalade, excusez-moi, moi j'ai pas besoin. Et puis on a des chevaux, donc on y va. Pareil. D'accord, bon, de toute façon, bon, ok, d'accord. Tout le monde a un cheval? Moi j'ai Fabien. Le voyage sera divisé par deux si vous prenez effectivement des chevaux, donc au lieu de mettre 15 jours, vous en prendrez que 7. Donc une semaine pour arriver jusqu'au pic de fer. En tout cas, jusqu'aux escaliers de Storval. Après, Chalelu vous dit, je connais pas trop l'endroit, il me semble que ça va être très difficile pour les chevaux si... Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser les chevaux à Langue Corbeau et puis de finir à pied. Comme ça, vous pourrez récupérer vos chevaux à Langue Corbeau. Ouais, ouais. Ok. Je vais laisser Neptune à Langue Corbeau. Bien, parfait. Donc, vous vous équipez, vous prenez vos affaires et de quoi vous nourrir au moins pendant une bonne semaine. Et puis, vers midi, vous partez
chasser du géant pour essayer d'être un peu en avance, enfin par rapport aux otages, essayer de voir si ils ont encore une petite chance d'être sauvés. Et puis de voir un petit peu où se trouve cette menace et effectivement ce que vous a dit le géant, voir un peu si c'est vrai ou pas, quoi. Hein, s'il a vraiment une armée, ce Mokmurion a une armée qui attend dans la vallée de la Tour Noire pour. Alors, il doit y avoir deux ogres et un bébé géant, tu vois. Lance la musique de la poursuite du nain, de l'elfe et de l'humain, coco. Je l'ai pas celle-là. Alors, paf, paf, paf. Donc, vous. Mais j'ai, en fait, j'ai pas besoin de mettre de musique, c'est bien. Ouais, je l'ai pas celle-là. Je sais pas où elle est. Elle est dans ma playlist, mais je ne sais pas où elles sont. Alors, on met un peu de zik. Bref, vous partez de deux points de sable. Et alors attendez, je compte un peu, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6, 7, ouais. Et en fin de journée, vous arrivez près du lac des Braises. Tac, tac. Donc le soir commence à tomber petit à petit. Et vous faites une halte près du lac des Braises, prêt à repartir le lendemain matin de bonne heure. Est-ce que vous faites des tours de garde? Est-ce que la région craint? Là, c'est non. Bon, peut-être pas. Vilmar fait des tours de garde. C'est ça, oui. Et les douanes, si t'as encore des soins, je veux bien que tu soignes encore avant de... Bah, il a plus, hein. Il a soigné tout le village. Sur ces villages, ouais. Ah oui, t'as plus rien, hein. J'ai encore. Merci. Non, t'as plus rien. Bah ouais, mais j'ai le temps de dormir là quand même. Bah là vous faites une halte près du lac des Braises, vous trouvez un endroit près du lac pour pouvoir camper, etc. Monter un campement et faut arrêter avec les vagues de merde, lui. Non, c'est pas lui, c'est Gaël. Lac des Braises. Putain. Et du coup ben vous faites des tours de garde. Alors je suppose que l'Edwin, tu prends pas vraiment de tours de garde. Ah non, je prends pas de tours de garde. Oh putain, putain. Ouais, je crois que ouais. On sent que le passant bourgeonne, hein. Et là, elle est clos, hein. Et du coup, vous faites quand même quelques tours de garde et la nuit se passe bien quand même, hein. Alors, je vous fais un peu de repos. Et nous, un peu de repos. Par contre, j'enlève quelques personnes sur le combat tracker, parce que Mirobolant nous accompagne ou pas? Oui. Bah non, mais je sais pas, moi. Il peut rester aider non, aussi, non. Mirobolant, hein? Non, déjà qu'il a pas pris d'XP la dernière fois. Alors, il a pris quelques niveaux, hein, parce que sinon. Ah non, le MJ a refusé. Donc, Alors. Le lendemain, donc, vous reprenez votre chemin en direction de Kelduria.
Vous y arrivez. Alors attendez, hop là. Ce qui serait bien, c'est que je trouve mes. Ça va arriver, ça va arriver. Alors, vous voyez qu'il commence un peu à pleuvoir dès que vous partez du lac des Braises. Il flotte un peu, mais un petit peu, mais enfin pas beaucoup. Hein. C'est pas la grosse flotte. Hein. Je vais juste chercher, trouver la varisie. Elle est où? Voilà, elle est là. Vincent, pour répondre, t'as oublié d'appuyer sur le bouton. Hop. Répondre quoi? Bah, il a demandé où elle est où. Forcément, t'as répondu, totalement. Mais... Alors déjà, le lac des Braises. Salaud déjà. Donc vous longez le lac des Braises. Magnifique. Et donc effectivement un magnifique. Mais au fond. Ouais, c'est l'île d'Avalon, c'est ça. Hop. Ce lac en fait est en plus d'être alimenté en fait par des rivières, semble recevoir en fait de l'eau provenant de sources d'eau chaude en fait. Et pendant les jours les plus froids, il y a de la vapeur qui peut se former sur certaines zones des rives en fait. Vous savez aussi que certaines créatures aquatiques qui ressemblent beaucoup à des salamandres avec une peau transparente qui brille dans les eaux pures sont une curiosité de ce lac en fait. On appelle ça des charigues. Généralement elles se déplacent toujours en grand nombre. Vous avez l'impression, alors vous en voyez effectivement et vous avez l'impression de donc vous les voyez se déplacer sous l'eau, mais vous avez l'impression qu'en fait elles forment une espèce une seule créature en fait. Et avant de comprendre que c'en est plusieurs, bien avant il y a une espèce d'ombre géante qui se reflète sous la surface du lac, et vous pensez que c'était un énorme monstre marin, et en fait rapidement vous remarquez que ce sont des milliers de ces créatures aquatiques qui forment ce corps monstrueux en fait dans l'eau. En milieu d'après-midi, vous allez arriver à Kaldura. Kaldura, c'est une des villes qui est encore sous la tutelle de Manimar en fait. Les habitants vivent pour la plupart de transport du grain, du bois sur le lac des Braises, et Kaldura est connue dans toute la Varisie en fait pour son école de magie qui se nomme l'Académie du Crépuscule. Cette académie en fait a la réputation de pratiquer une magie où la pratique est préférée à la théorie. Et seules en fait les écoles de magie de Manimar et de Corvosa sont capables de rivaliser avec celle-ci. Donc elle est quand même assez réputée cette ville. Et donc vous voyez que c'est pas n'importe quelle, c'est pas une petite ville, hein, Kaldura. C'est vraiment une grande ville avec sa haute tour où on pratique la magie. Et je prends des photos. Tu fais des selfies? Vous voyez la ville ou pas? Oui. Ok, parfait. Oui. J'ai élevé la victoire derrière la tête de la douane. Donc à Kaldura, vous en profitez effectivement pour vous reposer un peu, et puis peut-être finalement... alors vous arrivez, il est environ 15-16 heures, donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous... Alors vous avez un peu de temps encore à voyager, vous avez quelques heures avant que la nuit tombe, et vous pouvez arriver à Oreille du Loup vers 21h, 22h. Mais vous pouvez décider de vous arrêter à Kaldura pour dormir dans une bonne auberge, reprendre des forces, prendre un bon repas, etc. Bah, on cherche à plus vite possible. C'est vous qui voyez. Oui, on cherche à aller plus vite. Donc vous tracez vos chevaux, vous tracez toute la journée. Vous tracez toute la journée et vous arrivez à Oreille du Loup le soir vers 21h, un peu épuisé. Tac tac tac. Alors, d'un premier temps.
dans un deuxième temps. On est là. Ok. Ça. Et. Alors, Oreille du Loup. Oreille du Loup est un bourg prospère, donc rien à voir avec Calduria, c'est vraiment à l'opposé, hein, c'est vraiment un bourg. Il a été, il est prospère grâce à l'annexion et à la volonté Maïmar. Il reste toutefois nombre de problèmes qui sont l'ordre de la rumeur et dont Maïmar semble vouloir complètement nier l'existence pour qu'il n'y ait pas de panique qui s'empare des membres de la communauté. En effet, à Oreille du Loup, il semblerait que certains membres de la communauté soient pris d'un mal assez étrange qui les a plongés dans une extrême sauvagerie. Même si la grande ville se veut rassurante, il faut bien entendu voir l'œuvre des lycanthropes, jadis difficilement chassés par l'église des Rastiles jusque dans les entrailles de la terre. Est-ce des rumeurs? Est-ce la vérité? En tout cas, lorsque vous arrivez sur le village d'Oreille du Loup, tout semble être fermé, sauf un établissement, une auberge, qui s'appelle À la queue du loup. La thématique, elle est fine, hein. Et vous arrivez donc effectivement le soir vers 21h, vous descendez de vos chevaux, ils sont y a un peu d'écume sur les chevaux, ils sont vraiment dans un piteux état. Le palefrenier, un homme d'une trentaine d'années, une grosse barbe, des cheveux un peu ébouriffés, vous les avez amenés jusqu'à soif. Ah, je vais m'en occuper, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. Entrez, vous réchauffez. Effectivement, vous prenez conscience que plus vous montez vers le nord, plus il commence effectivement à faire un peu froid. Et dans l'auberge, vous voyez quelques voyageurs emmitouflés dans leur cap près d'un bon feu qui brûle dans un grand âtre. Un grand âtre, pardon. Et vous prenez donc une table, vous asseyez et vous voyez une jeune femme d'une trentaine d'années qui vient vous voir. Elle est brune, elle est pas brune, elle a les cheveux très noirs, noirs de jais, le visage assez fin. Peut-être une trentaine d'années. Qui vient vous voir pour vous demander ce que vous voulez manger. Après avoir pris commande auprès d'elle, elle vous ramène de quoi vous sustenter je voulais dire un truc, mais bon, c'est pas grave. Et puis, vous buvez ce qu'elle vous apporte, hein, vous avez commandé, de la bière, etc., ce que vous voulez. Elle vous apporte cela. Ça vous coûte à peu près, quelques pièces d'argent, 5 pièces d'argent pour la totalité, l'auberge à quelques chambres. Et donc, vous pouvez prendre disposition le soir de vos chambres afin d'y prendre un repos bien mérité puisque vous avez voyagé toute la journée. Vous êtes vraiment rompu et fatigué de votre voyage. Est-ce que vous faites des choses particulières? Si vous ne faites rien, de toute façon, si vous ne me dites pas gna 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 gna, moi je continue. Hein. Alors Stéphane, gna 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 gna. Ok, ça marche. Alors. Ouais, je fais rien. À dormir et puis ça va me soigner. Donc je fais passer donc une journée de repos supplémentaire. Pour les sorts, vous me dites, hein. Si vous changez quoi que ce soit, je regarde éventuellement. Je remets à zéro. Alors, le lendemain matin, vous êtes réveillé au bruit du dehors. Hein. Vous avez vraiment bien dormi. Vous vous réveillez. Il est 8h du matin. Alors, Ramsès.
Putain, t'arrêtes! Le rapport. Merde, je peux pas revenir. Voilà, si, je peux revenir. Donc, il est 8h du matin, nous sommes jeudi, jour du serment. On est en plein mois de décembre, hein, là, et lorsque, effectivement, vous. Vous, comment dire, vous sortez, vous comprenez que. Bah, il fait bien froid quand même, hein, le temps a bien changé, il pleut, il y a de l'orage. Bon, vous voyez les habitants courir un petit peu sous la flotte, avec ce qu'ils peuvent pour les protéger. Il y a un marché pas très loin qui vous indique que les gens de bon matin ont commencé à mettre leurs étals, mais il risque pas d'y avoir beaucoup de monde aujourd'hui parce que vraiment c'est un temps de chien qu'il y a. Un temps de loup, on dirait. Et le palefrenier, je fais défiler, hein, si jamais vous me dites stop, je veux faire quelque chose, vous me le dites. Donc vous mangez, vous descendez à l'auberge, vous prenez un petit déjeuner qui était compris dans le forfait de la chambre, etc. Et vous repartez rapidement Oreille de loup. Le palefrenier s'est bien occupé de vos animaux. Hein, ils ont bien été brossés avec de la paille et tout. Ils sont fringants. Et par contre, vous partez sous la flotte. Hein. Il pleut comme. Ouais, mais pas comme il y a quelques temps, vous vous souvenez, où il arrêtait pas de pleuvoir. Vous sentez que cette pluie va cesser très rapidement. Hein. Et d'ailleurs, effectivement, alors que vous partez, vous voyez déjà au loin les nuages noirs s'estomper, poussés par les vents du nord, et rapidement la pluie cesse, et vous voilà sous un beau soleil en fait. Hein. Donc vous continuez votre chemin, cette fois-ci en direction de l'Angle Corbeau, donc vous suivez, alors je ne sais plus si c'est à Val ou à Mont, en tout cas vous suivez pas du côté du bois Grognon, mais de l'autre côté une piste en fait qui permet de suivre la charbonneuse. Et effectivement sur votre gauche vous pouvez distinguer d'Oreille du Loup en fait bois Grognon. Paf paf. C'est une forêt inextricable qui sépare en fait les terres sous influence magnimarienne et celles sous la domination de Port Enigme, qui est un peu plus au nord, Port Enigme. La forêt du bois Grognon semble être le repère et le lieu de passage de tout ce qui fuit la loi pour le chaos et l'anarchie. Des nombreux gibiers permettent aux plus audacieux de la traverser ou d'y vivre, mais faut pas se leurrer, l'expression être en sécurité comme un voleur à bois Grognon est un peu surfaite. Peu de ceux qui y entrent en ressortent vivants, ce qui laisse supposer qu'en plus de la loi qui y sont élus de qui ont élu domicile et en ont fait leur territoire d'autres dangers sont là pour faire de ces bois un lieu à éviter comme les garous ou les tribus gobelins plus au nord. Bois Grognon est devenu dangereux, également pour les communautés proches qui sont souvent l'objet de raids gobelins et d'attaques de bandits de grand chemin qui se sont fait un nom. Donc un lieu à éviter à tout prix. Donc c'est pour ça que vous êtes du bon côté du fleuve la Chardonneuse. Hop, ça je range ça. Tac, tac, tac. Je vais mettre mon doigt et vous indiquer. Ouais. Attendez. On va prendre. Ouais. Où est-ce qu'il est mon doigt? Putain, j'ai perdu mon doigt. Ah, c'est le bordel. Hop. Ça y est. Quand je commence à avoir 15 000 trucs. Je ne vois plus rien. Alors, tac, tac, tac. Donc, vous partez d'Oreille du Loup. Donc ici, voilà mon doigt. Tout le monde le voit. Tout le monde voit la carte. C'est beau, c'est magnifique. Et donc, vous
vous arrêtez un petit peu avant d'arriver à l'an de Corbeau, pardon, c'est-à-dire à peu près ici. Donc vous suivez toute cette piste le long du fleuve. Et vous allez me faire, s'il vous plaît, des jets de perception. Edwin, Falgor et Mirobolan, vous entendez du bruit. Alors attendez, hop là. Déjà premièrement ça. Je prépare. Hein. Si vous dites rien, si je dis rien, c'est parce que je prépare. D'accord. Hop. Alors que vous longez le fleuve, la Chardonneuse, et les douanes Mirobolan et puis Falgor entendent du bruit au détour d'un chemin. Tout le monde voit la carte ? Oui. Oui. Et vous, êtes, vous êtes par ici. C'est beau. Hein. Avec les autres MJ. Attends, moi je les ai vus les cartes d'Antoine, si tu veux quoi. Tracé à la main, à la peindre sur un tableau. Tracé à la main sous les aisselles. Alors votre ordre de marche, vous mettez votre ordre de marche. Comment vous chevauchez? Représenter les chevaux, s'il te plaît. C'est des touffes d'aisselle jetées comme ça. Je ne peux pas représenter les chevaux, Gaël. Je n'ai pas les tokens. C'est intolérable. Moi, si j'étais à me mettre du jeu, ça se passerait pas comme ça. Hein. Antoine, il représentera les chevaux. Hein. Alors, Elédouen. Un carré. Elédouen, Miro et puis Falgor, vous entendez des bruits de. Des voix parlées alors attendez, je vais parler. Alors parler, c'est quoi déjà ça? On voit des gens. C'est normalement ça. Ah bah c'est compris par personne, super. Donc personne ne comprend. Vous entendez des voix en tout cas, et vous entendez des meuglements qui provient de qui provient en fait de cet encaissement ici, là par là. Et vous distinguez dans les buissons en fait effectivement trois grosses formes. Qui sont en train de essayer de se partager plusieurs vaches. Vous voyez, il y a des vaches qui sont en train de meugler au centre en fait, et ils sont en train de préparer un feu pour commencer à aller bouffer en fait, hein, simplement. Alors ils vous ont pas vu normalement. Je vais juste faire un jet parce que. Ils sont un peu occupés en fait. Hein.
Non, ils vous entendent pas. Ils vous entendent pas. Que faites-vous? Bah, on passe, on les salue au passage, on y va. Et j'ai pas compris. Non? Qu'est-ce qu'on fait? Le pénitent le passe. Moi, je serais d'avis de les oxyre quand même proprement pour éviter les problèmes. Pas être pris à revers. Hein. Ils sont peut-être gentils. On va pas être pris à revers, moi. Ouais, mais je suis d'accord avec Finan. Faut pas être pris à revers. Bilmar, on comprend tes réticences. Tu as sans doute un peu peur. Ah, moi, je suis d'alignement bon, mais vous êtes mauvais, évidemment. Ah, non, t'es d'alignement cupide, mais je sais pas. Je sais pas, les vaches c'est loyal bon, hein. Donc on les défend. Hein. Ouais, exactement. En tout cas, si vous continuez votre route, vous allez forcément les rencontrer. Les vaches. Bah, donc les trucs. Et après on saura pas quoi leur dire, hein, si effectivement on a vu d'autres congénères. Pardon ? On les a bien vus, les créatures ? Ah oui, oui, elles sont. Si tu veux, il y a une espèce elles de ressemblent à quoi ? Alors, les créatures ressemblent. Elles sont assez grosses, assez. Attends, hop là, j'ai pas mis de. Ah oui, c'est ça. Il y en a une qui est pas sur les carrés. Ah putain ! T'es casse-couille ! Oui. Alors, elles ressemblent en fait à des ogres que vous avez déjà vus, sauf qu'elles elles ont toutes les trois des gros crochets d'ogres. Pas des masses, des gros crochets d'ogres. Vous voyez qu'elles ont des petites armures en cuir légères, des grosses ceintures, des sacs, des gros sacs en fait. Et vous voyez qu'elles sont en train pas de se battre à coup de vache, mais elles prennent les ils savent pas en fait quelle vache manger en premier. Vache. C'est un dilemme. J'ai toujours le même problème. La vache. Ils nous ont pas entendu arriver là du coup. Non. Non, vous avez si vous mettez vos chevaux un peu plus loin, vous pouvez les surprendre. Bah, surprenons-les. Allons-y. Attends, mais c'est ça. Les bourrins. Moi, je suis pacifiste. Ah, dites-moi, hein, qu'est-ce que... barbare. Bah, donc, on rampe sur la colline, là, et... Donc discrètement, vous essayez de surprendre vos adversaires alors que vous êtes descendu de cheval, c'est ça ? Moi, ouais. Je descends pas de Falgor, flap, flap, flap. D'accord, ok. Falgor, quand il vole, ça fait... Non, il est très discret. Bah, elles vous entendent pas, hein. Elles font beaucoup de bruit, elles sont en train de s'engueuler pratiquement, et elles font vraiment pas attention à vous. Donc là, je vais estimer qu'effectivement, vous allez pouvoir venir sans problème les oxyres, quoi, sans les oxyres sans problème. Donc l'initiative, pour l'instant, on la fait pas. Vous avez celui qui veut venir combattre peut, il n'y a pas de souci. Vous avez l'initiative. Vous avez le round de surprise pour vous. Elles sont ce qu'on appelle pris au dépourvu. Donc il va falloir aller cocher dans les plus moins dépourvus. Ouais, bon bah on y va. Parce que les autres, ils veulent... En ciblant évidemment votre adversaire. Donc, je vais au contact. Ben vas-y. Vilmar est parti pour... On fait pas l'init ni rien. Non, vous avez la surprise, l'initiative on la fera après. Oui, mais entre nous. Ah, si vous voulez, oui, entre vous, oui, oui. Ouais, on peut la faire maintenant, comme ça on la fera. Oui, bah faites l'initiative, comme ça, ça permettra de gérer. C'est bon pour toi. Ah, c'est bien ça.
Je vais revenir en arrière là parce qu'il va tous les tuer avant que j'arrive. Ah, c'est plus simple. Donc c'est un mirobolant. Laissez passer mirobolant, il va tout sauter. Mirobolant vole à travers les créatures. Alors, mirobolant, comment il se bat déjà? Les trois d'un seul coup des... Oula, c'est une flèche. Bah, il va au cac, hein. Hop. Ah, ici. Ah oui, d'accord. Quoi? Non, bah, y a pas de problème. Ça peut être un petit coup, là. Parce que... Est-ce que vous voulez me déranger, monsieur? J'ai un petit coup. Effectivement, c'est un petit coup, hein. Pardon monsieur, excusez-moi. Alors attends, t'as le machin qui se gratte derrière l'oreille, il comprend pas, il y a une piqûre de moustique ou un truc. Finn. Attends, allez. Pour... Ah bah non, il est passé. Pourquoi il a pas noplé magique? Ah oui, faut peut-être enlever les trucs, parce ouais. Parce que c'est comme ça, t'es jaloux, hein? Puis toi aussi, je te signale, hein, c'est dégueulasse. Ouais, je les enlève. Donc là, j'ai quand même fait un dépassement, malheureusement. Alors, comment c'est déjà le combat? Attaque normale. T'es quel alignement, Gaël? Bonne question, c'est marqué où sur ta fiche? C'est pas marqué, tu l'as pas mise. Ah! C'est pour ça que je te pose la question. Faut que je retrouve ma vraie feuille alors. Voilà, non, parce que le problème c'est que voilà, j'ai des trucs au niveau conditions alignement. Et ce serait bien que je sache quelle. Attends, je regarde, je sais plus où c'est sur cette feuille. Dans le dossier de personnage, si tu sais où c'est. Blablabla, profil, capacité. En richesse. Lol, ils ont enlevé les. Les alignements. Neutre. Neutre pur. Neutre? D'accord. Mmh. Je me prends pas la tête. Ils ont enlevé les aliments. Ah, ils ont enlevé les aliments. Dans Fantasyland ? Ouais, bah je les vois plus. Non, c'est dans les notes. Ouais, dans les notes, mais je les vois plus en effet. Comment ça, tu les vois plus en effet ? Non. Elles sont sur le combat tracker, mais Je les vois plus. Ah ! Je les vois plus. Je les vois plus. T'avais pas une extension pour les aliments ? Si, je le mettrai plus tard. Ouais, mais je le mettrai plus tard. Pour la prochaine fois. Donc Finn, tu t'arrives au contact. Frappe. Je pense que ça touche. Critique. Ouais, t'as fait un critique. Je pouvais pas attendre que je sois au contact pour faire un critique. C'est dommage. Donc pour le combat, tu vas dans plus moins, tu fais critique, tu connais, hein. Oh, pfff. Il est surpris. Ah bah là oui, il est surpris, ouais, dans le dos, c'est Guizé qui me fait une grosse entaille là. Bah, je te l'ai dit, c'est pas un knock de base. Hein. Non, là, j'ai bien dit, ils ont des crochets d'ogre et non pas des massues. Ouais, ça multiplie les PV par 5. Exactement. Falgor. Il a peine une autre histoire. Ça va être une autre histoire. T'as un escar là, je te hurle. Bon bah il fait ses plusieurs coups hein. Là, il commence par la faux. La vraie. Là ça me donne des émotions, je reviens, je suis aux toilettes. Il est pas assez. Ta gueule. Alors là, ma proportion de Falgo. Deux poisons. Je sais plus comment ça se joue. Bah, faut que tu me dises le DD et. Je l'ai noté. Est-ce que
ça joue. Et moi je fais un jet en vigueur. Où est-ce que j'ai noté ça? Comment je te le disais tout de suite. Seul toi le sais, Louis. Oui, ben on va faire la suite, puis je te dis. Hein. Donc le coup de queue. Hein. Je crois que c'est des D16, hein, Louis. Hein. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, mais c'est tout, j'ai noté. Voilà, Louis. Voilà, je t'ai fait mon jet de vigueur. Voilà, ouais, c'est fait. Toc. Et donc j'ai fait 1, 2, 3. J'en ai encore 4. Enfin, j'en ai encore un. Et ben c'est le coup d'œil, ouais. Miss. Et je n'ai que 4 coups, je crois. Ah, j'ai pas fait grand chose. Vache. Vilmar. Et ce qui est étonnant, c'est que t'as réussi à te déplacer et faire 4 coups. Mais en plus, oui. J'étais gentil là sur ce coup-là. Voilà. D'accord, bon, ok. Bah oui, attaque à outrance, Louis. Oui, non, mais je pensais que. Commencer l'attaque quand on voulait, donc en fait il a fait un pas de placement et il était juste avant. Enfin bon, ça me posait pas de problème. Ouais. Bon, de toute façon ils font pas de... Ils sont pris au dépourvu, ils ont que 20 en classe d'armure. Stéphane, tu pourrais me sortir Je un mets cylindre là. De 6 mètres de... Pardon, pas 6 mètres. Mais tu sais que tu peux le faire toi-même Ouais, parce que tu sais... Je fais bien d'accord puissance. Ça marche. Ah, j'ai pas refait des pourvus pour chaque truc. Ah ouais. Alors Vincent, je t'enjoins à cliquer sur la map, faire un clic droit qui va t'ouvrir un menu contextuel, et je te propose de cliquer... Oh putain, de cliquer sur pointers, tu vois, le truc qu'il y a entre close windows et ça. GG, il a été vexé par ma critique. Du coup, est-ce que on confirmait ou pas? Non, on confirmait pas. Je sais plus après moi comment. Donc on confirme pas. Donc tu veux la table, je suppose, pour les critiques, parce que ça peut servir là. Hein. Je crois que la colonne de fer. C'est 5 pouces, c'est ça qui est marqué? Vraiment. C'est des pieds. Ah, 5 pouces. Fit. Alors, du coup, tu as ton arme tranchante, bousculade. Tu doubles tes dégâts et ta cible est repoussée de 1 des 6 cases en ligne droite. Ouais, pas mal. Dégâts doublés, ça fait quoi, triplé? Non, c'est dégâts doublés. 5 pieds, c'est 1m50, c'est une case. Non, mais c'est pas ça, Louis, je sais. Bah c'est quoi la différence avec dégâts normaux, là? C'est deux cases, bon, rien. C'est quoi la différence avec les dégâts normaux? Bah, y en a pas, en fait. C'est vraiment quand c'est marqué dégâts triplés que là, tu triples tes dégâts. Là, c'est dégâts doublés. Oui, je sais. Normalement, oui. Bizarre. C'est pas mon truc, hein, c'est pas à moi, hein, c'est les cartes qui sont comme ça. T'es sûr que c'est quand t'as des dégâts normaux, c'est pas les dégâts normaux? Bah oui, et puis dégâts doublés, c'est... Non, parce que j'ai des dégâts triplés, donc... Oui, mais ça veut dire que quand t'as le truc avec dégâts normaux, en fait, c'est moindre que... Ben, pour l'instant, je joue comme ça, je regarderai pour la prochaine fois si c'est bien ça. Bon, ah, ça doit être ça. Je pense qu'il y a un truc, hein, Stéphane, sinon... Oh, ben, je regarderai les cartes. Je crois pas que c'est ça que tu faisais avant, mais bon... critique... J'ai les cartes sous le nez, je vais les regarder en même temps... La prochaine critique, si c'est pas ça. Bam. Ah, je fais moins que l'autre. Oh putain. Ah non, vous le tuez pas tout de suite. Oh là, les bourrins, mais les bourrins quoi. Ah non, attends, deux critiques, on l'a pas tué. Oui, c'est vrai que là c'est quelque chose. Hein. Ah, je peux pas passer mon tour. Non, mais parce que tu l'as fait en fait. Yavin. Eh bien, je vais faire une rapidité pour tout le monde parce que je vois que ça croque. Rapidité.
Sauf que ça l'a pas fait pour moi, comme d'habitude, parce que je me suis pas ciblé. Je décime. Je passe mon tour. Alors, le colonne de feu qui fait normalement, si je m'en tiens ce qui a marqué sur le Pathfinder Wiki, deux cases de rayon, donc quatre cases de rayon. Est-ce que tu es d'accord, Steph, sur la taille de mon cercle? Ouais, c'est... Ça correspond à peu près à deux cases de rayon, donc quatre cases de diamètre. Attends, parce que j'ai pas fini avec... Avec qui? Avec comment... Est-ce que j'étais en train de chercher un truc? Tu me tires un D6, Vilmar, s'il te plaît? Ah oui, c'est vrai qu'il est repoussé, oui. Ah ouais, mais non, on le fait pas sortir de mon... Donc il part en deux cases. Ce sera pareil, ce sera bon aussi. C'est quand même mieux pour Vilmar. Ouais, enfin, on va voir. Bon, si, il a deux cases, tu les as tous. Même pas besoin de faire un cercle, tu le vois. Boum, donc ils sont dans mon... Et ça, dedans. Je pose même pas de questions pour Vilmar. Ouais, ça irait, je pourrais faire un pas de placement, mais... Ah non. Pourquoi tu vas te mettre dans la colonne de feu? Ah oui, mais t'en tiras. Et à quelle distance tu as ta colonne de feu? À quelle distance de toi tu peux la faire, la colonne? 3 mètres, 4 mètres 50. 20 ah, fou. Ah, mais c'est bon, ah. C'est bon. Encore, c'est bon. Oh là, mais c'est bourrin, quoi. Bah, tu les cibles. 100, mais tu jettes les dés. 20. J'ai les jets de sauvegarde à faire ou pas? Oui. Ah, oui, donc. Et voilà, bah ils sont faits les jets de sauvegarde. Succès. Ne t'emballe pas, Stéphane. Tu non, mais je... La moitié des dégâts, certes, mais tu as quand même des dégâts. Ouf, alors, s'ils ont un quelconque talent. Tu la moitié des dégâts. Avant de lancer les dégâts, Vincent, tu vas dans les plus et moins, et tu fais demi dégâts. Tu cliques sur demi dégâts. Ok. Et tu lances les dés sur tous, puisque tous ont réussi. Et je prendrai que la moitié des dégâts. Normalement, c'est marqué Alf. Ils sont tous ciblés là, non? Non, ils sont tous déciblés. Ok, je les reprends. Tu fais plus moins, tu fais demi dégâts et tu lances les dégâts. Voilà. Honnête. Ah oui, c'est la moitié, c'est 16, c'est bien, c'est parfait. Ça a bougé. Et t'as une autre attaque. Oui, ça a bougé. Ouais. Une autre attaque. Une attaque. Pas faire grand chose. Mais sur un sort, ça fait rien. Attends. Ah, t'avais raison, Antoine. Je viens de voir la règle optionnelle. Donc je vous la lis. Si votre arme a un multiplicateur de critique x3 ou x4, vous pouvez piocher une seule carte et non plusieurs. Si l'arme a un multiplicateur de x3, augmentez les dégâts de base de la carte d'un cran. Par exemple, une carte qui inflige des dégâts normaux est un effet et un effet infligera des dégâts doublés et un effet. Les cartes qui infligent des dégâts doublés infligent alors des dégâts triplés, etc. Donc effectivement, c'était ça. C'était bien donc doublé, triplé. Ouais. Par normaux, c'est le normaux du critique. Oui, normaux du critique. Donc, désolé, j'ai spolié. Mais c'est ce que tu faisais, c'est ce que tu faisais. Ah ouais, bah j'ai complètement zappé. Excuse-moi, Antoine. Merde, il pouvait être mort, là. Là, il aurait pu être mort. J'ai balancé ma colonne. Mais je vais faire en sorte qu'il est mort, parce que... J'ai la possibilité de faire autre chose. J'ai balancé ma colonne, mais je me suis pas déplacé, Stéphane. Donc tu peux te déplacer. Donc, ou faire une action rapide. Je me déplace normalement pour être contact à côté de. Je peux pas lancer un petit sort là, comme dit Louis, j'ai rapidité, c'est pas possible. Non. Non. Bon, d'accord. Une attaque. Un sort. Une, deux. Un sort, c'est une action complexe. Ils ont leur init, les machins. Ouais, ça y est, moi je les ai tirés. J'ai passé mon tour. Miro. Bolan. Ah, attends. Oh là, attends, t'étais où là? Mais là. Tu te mets en contact alors que tu lances la arbalète, je comprends pas. Moi non plus. Il en a marre de bien en volant, il veut le bien. Ah ouais, je comprends. Tu sais que tu peux te prendre une attaque d'opportunité.
Oui, oui. Donc tu te prends une attaque d'opportunité. Oui. D'accord. Forcément. C'est pour l'éviter à Vilmar. Qui n'en a pas besoin. Donc tu vois l'ogre qui donne un coup de son crochet dans ta direction. Il te frappe. C'est pas prévu ça. Ah, un crochet du gauche. Un crochet du gauche. Et mirobolant se prend un crochet dans le poitrail. Que fais-tu, mirobolant? Ça va, ça tape gentiment. Hein. Ah, tu touches avec ton épée. Ah oui. Ah, ça fait du dégât, hein, je vous dis pas. C'est énorme. Wouh! Oh la vache. D'accord, là, c'est beaucoup. Donc, voilà. C'était moi. Ah, mirobolant, il te regarde. Fine. Plat de placement. C'est un pas de placement, hein, monsieur. De toute façon, j'ai pas 15 non plus attaque d'opportunité. Vu ton déplacement, tu pouvais faire le tour sans faire de trucs d'opportunité. Oui, mais c'est pas grave. Ils ont une grosse allonge avec leur arme. Hein. Vraiment énorme. Hein. Double hit, double critique. Note. Ouais, c'est sur lui. Là, je peux faire le critique d'abord. Bah, t'as deux critiques. Ah, attends. Vrai. Je peux faire ma... Si tu veux, oui. Donc t'es en perforant ou en tranchant? Toi t'es en tranchant. Hein. Tranchant, dégâts doublés, donc ça veut dire dégâts triplés. Et une attaque gratuite contre un ennemi adjacent avec le même bonus. Ouais, mais y'a pas de... C'est quoi? J'ai une attaque supplémentaire encore après. Bon, de toute façon, le premier critique. Ça... Voilà, il est mort. Il tombe mort. Le deuxième critique, comment tu fais x3? Non mais il est mort, Gaël. Comment tu fais x3? Putain. Pas grave. Tiens. Aïe. Yes, bon. Alors, Alors, nous sommes... Enfin bon, bref. Après. Il est ciblé, allez hop, donc on commence par la faux. Pas touché, donc c'est le premier. Deuxième, morsure. Oui, critical. Un critique. Tu veux qu'on le gère maintenant ou on le gère après? Comme tu veux. Vas-y, tire sur la table. Et c'est un coup de queue que t'as donné, c'est ça? Ouais, de toute façon, c'est que du naturel. Ah non, le deuxième, c'était... Non, c'est pas du naturel, c'est du... La morsure, du... ça. C'est... La morsure, c'est du perforant, la morsure. Non, c'est perforant. Perforant. Tu doubles les dégâts et ta cible est empoisonnée. Donc, comment on double... Ah bah oui, de toute façon, oui. Alors, comment tu doubles? Bah, c'est pas compliqué. En fait, là, je sais même pas si c'est. Si je critique, c'est doublé ou pas, ou... Bah, si, c'est marqué. C'est triplé, là. Si c'est marqué doublé, ça veut dire que c'est décalé d'un cran. Donc, ça veut dire que. Mais oui. Que c'est x3. Mes coups, je sais pas déjà si c'est x2 ou si c'est x. Alors, attends, tu fais un coup de quoi? De morsure, là, c'est ça? Morsure, ouais. Donc, là, elles sont x3. Donc, ça veut dire que je décale, ça fait x4. Elles sont x3, les morsures? Ah oui, c'est les 3, critique 3, mais là je vais faire 4, voilà. Elle fait les armes naturelles, c'est toujours 2, Stéphane. Bon, bah, ah bon? Bah oui. Toujours 2? Même avec... Ça fait 3. Bah pourquoi il a 3, Louis? Parce que j'ai appuyé sur critique. Ouais. Donc ça fait 3, alors. À moins que t'aies un don pour ton idolone qui décale critique, mais sinon c'est toujours... Je savais pas ça. Donc t'es à 3 là, puisque t'as décalé. Ouais. Donc vas-y, fais les dégâts. Mais quand tu fais x3.
Non mais t'as pas besoin, tu vas dans plus moins, tu fais critique, et ça va le faire tout seul. Ah d'accord, ok. Je t'ai changé ton multiplicateur si tu veux, je l'ai mis 3 au lieu de 2. Ah c'est toi qui l'as changé, ok. Oui mais je suis obligé, j'ai pas le choix. Oui mais je savais pas que tu faisais ça, je croyais que c'était nous qui le faisions. Non non, t'as pas accès à... Oui mais c'est pour ça que je savais pas ce qu'il fallait faire. Donc pouf, allons-y. Voilà, et je te remets à 2. Hop. Yes, et donc voilà. Si tu te souviens que c'est le DD16, vas-y, parce qu'il y a du poison possible. Ça marche. Alors, c'est le troisième. Même si... Il a un bonus de fou. Ah oui, il a un bonus de malade. Hein. Voilà. Mais bon, on sait jamais. Hein. Faut que je fasse 3 hein, pour pas réussir. Oui, mais tu pouvais faire un 2. Hein. Ouais. Moi, j'ai accès au critique, okay. Stéphane. C'est vrai? Ouais. Ah bah c'est peut-être parce que t'as l'ultimate, mais le lui aussi. Non, j'ai aussi. Ah bah alors fous le frère, alors la prochaine fois c'est Mitra de le frère. Ça marche, ouais. Donc là voilà, ça c'était le deuxième. Voilà. Deuxième. Ça loupe. Tamis, un coup d'aile, en quatrième. Donc vous voyez Falgor s'acharner sur l'ogre. Ça marche. Il inflige encore des dégâts. Des petits dégâts chaque fois. J'ai mon cinquième coup parce que j'oubliais que depuis niveau 9 j'ai 5 coups. T'as 5 coups? Oui. Et c'est quoi le dernier coup? Un coup d'aile? Encore un deuxième coup d'aile, ouais. D'accord. Et mon sixième coup de rapidité maintenant? Pour faire un coup de fouet. Oh putain, bah c'est bullshité ça! C'est. Non, moi j'aime bien, mais à condition de me souvenir à chaque fois. Ok. Voilà. Ah, donc Falgor. Non, je passe mon tour après une demi-heure de jeu. Eh bien, c'est à moi. Enfin, je vais pouvoir rien faire puisque lui, il est mort. Vilmar. Ah, puis j'ai fait un pas de placement, excusez-moi. J'ai l'impression de ne pas avoir joué en fait là. Ah, bah c'est bien ça. Donc, du coup, bah, je me mets là. Ah oui. Et pas de placement donc. Et je fais grande tenaille bien sûr sur l'orque guerrier 3. Ah, tu. Voilà. Bah, tu es active hein. Où c'est? C'est le modificateur seulement. Hein. Non mais tu peux l'activer sous. Dans ton onglet action j'ai mis grande tenaille. Et donc je fais une attaque en puissance. Il est mort, je vais l'enlever. T'as l'attaque en puissance, je la fais toujours manuellement, mais c'est peut-être sur ma feuille. C'est sur ta feuille aussi. Tu as deux types d'attaques à puissance, quoi. T'as une main et deux mains. T'as juste à passer ta souris sur l'onglet, sur l'effet, pour voir ce que c'est. Logiquement, c'est le premier effet. J'ai fait bien mes calculs, logiquement, tu devrais retrouver tes vrais calculs. Ouf, voilà, mais c'est pas possible, mais faut arrêter, hein, c'est bon avec les critiques, c'est bon, les gars. C'est très bon, ça. Bon, bah, tu... La carte... Ah, t'as... C'est vrai que c'est des soirées ouais, à critique ou des soirées à échec. Eh bien, tu peux tirer un jet, hein, sur la carte, sur la table. Tu l'as ou pas, la table? Non. Alors, je te la remets. En commande, tu peux le faire, aussi. Ah, je fais quoi? Slash Rollon en un seul mot, R-O-2-L-O-N, et puis le nom de la table. Oui, le nom de la table, oui. Quand c'est réussite critique, tout à fait. Quand c'est réussite critique, faut le mettre entre côtes. Hein. Ouais, j'ai déjà scripté, moi, mais effectivement, oui. Donc c'est un coup tranchant. Avec un slash. Avec c'est un slash devant. C'est un dégât double. C'est donc des dégâts doublés, fracture de la colonne vertébrale. Et affaiblissement 3d6 vigueur. En raccourci. Ah, de l'arme. Vigueur, moitié, ça veut dire que mon jet de vigueur, ce sera la moitié des dégâts que tu vas faire. Donc, tu changes ton arme. Voilà, tu vois comment ça marche maintenant. 80, je pense que même la moitié de 80, j'y arriverai pas, quoi. De toute façon, il est mort. Putain. Oui, ben il est tombé. Ça, c'était sa première attaque. C'est ma première attaque, j'en ai encore deux. Hein. Alors, je fais les dégâts de la deuxième. Non, on maîtrise. Toujours en grande tenaille.
Oui, les dégâts de la deuxième, oui. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bon bah il meurt sous les coups de... C'est dommage, la rapidité ne nous sert à rien. De Vidmar. En fait, oui, j'aurais peut-être pas dû. Ça servira plus tard quand il y aura plein d'ennemis, quand il y aura toute l'armée de Mokmurian, vous inquiétez pas. Bah, je pense que quand on les voit les mille, on jettera dedans. Hein, que... Oh bah oui, oui. Donc c'est à moi. Oui, celui-là est vivant, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc il a pas tapé l'Eidolon. Ah bah non, 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 il a pas bougé dans la zone, pardon. Je fais un pas de placement. Et Vidmar. Tu te prends deux coups de crochet. Crochet du gauche et crochet du droit. Voilà, qui. Ça, voilà, super. Yavin. Moi je te tape pas Finn, hein, parce que Finn il se prenait les deux. Yavin il va rien faire, il va laisser les autres là. Mais non. Ah, mais j'étais pas à portée avec Finn. Alors, Elédouane va essayer de s'amuser un peu. Alors, je vais réessayer un autre truc. Je vais lui faire une lumière brûlante dans la gueule. Sauf que Stéphane, c'est alors c'est une attaque de c'est une attaque de contact à distance pour commencer. Sauf que on a oublié de mettre à jour les dégâts de la lumière brûlante. Il faut que tu montes à 5d8. D'accord. Le maximum des dégâts que tu peux avoir. Alors lumière brûlante. C'est joli, oui. T'es à 3d8 là. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est 1d8 de dégâts tous les deux niveaux de lanceur de sort pour un maximum de 5d8. D'accord, alors attends, je te change ça tout de suite. La portée, hein, toujours 20 cases plus 2 par niveau, donc 25 cases. Donc c'est 5d8, c'est ça? C'est ça. Là j'en ai mis un peu de trop là. Voilà. C'est bon. Donc, je lance. Ouais, t'as un... Tu le lances sur... Oh, oh dommage. Oh, c'est un fumble magique. C'est un fumble magique. T'avais raison de vouloir t'amuser. Hein. Les dégâts sur soi-même. Les dégâts sur soi-même. Sur Vidmar. Sur Yavin. Alors, je te balance la table de fumble. Allez, Vincent, fais-moi plaisir. Quoi comme j'ai ? Rien du tout, je t'ai parti. T'as juste un dé. Magie, c'est la dernière. Transfert de puissance. L'effet magique de plus haut niveau qui vous affecte est transféré à votre cible. L'effet magique de plus haut niveau qui vous affecte est transféré à... Bah, il gagne rapidité, quoi. Bah, il gagne rapidité. Rapidité. Magique, ça. Donc j'ai une action en plus. Oui, donc tu retires... Il faut que tu... Une action en plus, plus un casse d'armure, etc. Je te le fais, si tu veux. Je le fais, Stéphane. Ah ouais, bah fais-le moi, ouais. Non, il l'a pas fait. Ouais, je vais le faire, alors. Yavin, paf. Ouais, mais tu me retires rapidité alors. C'est bon, c'est bon. Ouais. Attends deux secondes parce que là je suis en train de charger les sorts de... Ah, si tu l'as mis, ça y est. Ah, ok, d'accord. Et toi, je te enlève Eledwen, bah rapidité. Rapidité. Et je me déplace. Enfin, pas de placement simplement. Ah, c'est ballot. Bon, ça s'est bien déroulé quand même. Et c'est pour équilibrer un peu. Oui, parce que sinon il va prendre trop cher. Bah c'est à moi. Pourquoi c'est à toi? On était à Elédouane. Non, c'est la... Ah oui, pardon. C'est la rapidité qui l'a décalé. Miro, c'est à toi. Ouais. T'as essayé quand même, hein. J'ai rien essayé du tout, moi je regarde la tronche de tracker. Hit! Hit! Arbalète de toi. Allez, vas-y, fais-moi tes picouzes là. Aïe! Yes! Aïe, qu'est-ce qui me frappe là? C'est quoi? Alors, l'autre il y a des... Putain, y a des abeilles dans le coin? Pourquoi une fois c'est un D4 et une autre fois c'est un D6? Parce qu'un coup c'était une épée courte et un coup c'était une arbalète de poing. Ouais, d'accord, ok. Pardon. Je me déplace ici. Tu te prends une attaque d'opportunité. Je crois que t'as grossi, Vidmar. Pourquoi ouais. Grandissement. C'est quoi ça?
Tu prends une attaque d'opportunité, Finn. Oui, bah oui, je sais. Je sais, de toute façon, je vais en prendre une, donc... Ça, tu vas t'en prendre une. Allez, vas-y, frappe-le. Je frappe. Et... Tiens, on passe pas derrière. Tu fais quoi, Finn, derrière son dos? Ben, je le tapote. Ouais, c'est ça. Ça lui a fait quelque chose parce que Finn a pas sa barre de vie, elle a fini. Non, ouais, il a oublié de cibler, mais il le dit pas. Bah, ah, j'ai fait les dégâts sur moi, putain, quel boulet. C'est pas ça, c'est ça. Putain. Ah, je recommence. Comment ça? Bah oui. C'était trop faible. Voilà. Bah voilà, c'est mieux. Là. C'est mieux là. Bon, Finn. Quoi, ouais, Finn, 2 minutes. T'es pas fin, hein. Ah, hit. Wow. C'est drôle. Wow. Voilà. Ça a touché. Falgor. Yes, qui fait un pas de placement. Alors, attends, on va laisser... Un seul. De toute façon, même si tu te mets à côté, t'as aussi le... comment ça s'appelle Non mais c'est une attaque en toi, si tu fais un pas de placement, t'as aussi la tenaille. Donc je fais un pas de placement et j'ai aussi la tenaille. Ok. Donc la tenaille, c'est plus 2. Et c'est un pas de placement, donc allons-y, hein, on met les 6 coups. On commence par la faux. Hop. La morsure. Je aussi. Essaye de voir si tu fais un 2 ou un 1. Vas-y. Le coup de queue. Oui, critical. Allez, vas-y, fais péter. Alors, le truc à Gaël, là, c'est 5. 1, 2. Donc, c'est du... C'est quoi, ça? Je peux pas voir la fiche. Je montre. C'est quoi, comme... Alors, là, c'était le coup de queue. Coup de queue, coup de queue, c'est du contendant. Dégâts doublés et bouclier arraché à la cible. Il y en a pas. Vol de bouclier. Alors, donc, dégâts doublés, donc ça fait 3. Donc, je cherchais, je vais le mettre, critique, 3. Hop. Ouais, c'est bien que vous sachiez comment ça fonctionne, ça m'évite de le faire à chaque fois. Ouais. Hop. Okay. Et par contre, je m'empresse de le remettre à 2. Ouais, par contre, faut pas oublier de le remettre, parce que sinon, ça... Ouais. Donc, pof. Donc, et un coup d'aile. Premier coup d'aile. Ça loupe. Ouais, deuxième coup d'aile. Ça loupe. Ça loupe aussi. Et le coup supplémentaire, où je remets un coup de feu. Ça touche. Un grand coup de fou dans la tronche de... Voilà, il a bien décidé. De l'ogre. Et je passe. Vilmar. Ah bah, je vais faire un petit peu de placement. Donc là, il y a la tenaille aussi, j'imagine. Et la grande tenaille, hein. Bah oui. Et ben, voilà, grande tenaille, tout ça. Attaquons. Grande tenaille. Sens. 1-1-1-1-1-1. Allez, vas-y. T'as pas ciblé? Ah, j'ai pas ciblé. Oh, ballot! Oh, c'est ballot! Enfin, en même temps, 6-3. Allez, recommence. Oh putain, il y a un 2 quoi. Et avec un 2, il touche quoi. Il le croit pas quoi. Allez, vas-y. Ah, y a la grande tenaille, ça va être trop beau. Ouais, c'est sûr. Ouais. Allez, les dégâts. Il est un plus 1 en attaque. Ah, il est en statut critique. Eh bien, il tombe. Je fais ma dernière attaque. Tu le touches. Rapidité.
couche, allez, bute-le. Et... ça serve. Il est pas encore tombé, quoi, que tu le finis avant qu'il s'écroule au sol, quoi. Les vaches nous remercient, c'est ça? Ouais, ouais. Les vaches deviennent nos amis. Par contre, vous remarquez qu'il y a effectivement des sacs un petit peu partout là où ils sont installés pour faire leur feu de camp avec les vaches. Les vaches, elles sont pas au premier coup, elles sont parties, elles n'ont pas demandé leur reste. Hein. Que faites-vous? Je fais une détection de la magie. Fouille la vache. Fouille la vache. Mais elles sont plus là, elles sont en train de gambader. Il y a aucune magie. Aucune magie dans les vaches. Ah, on regarde dans les sacs. Alors vous remarquez des tonneaux assez énormes. Il vous faut bon, certains d'entre vous arrivent à en prendre un sous-sol, mais ils sont assez lourds quand même. Hein. Et ils sont remplis. C'est des... Donc il y a trois tonneaux en fait dans des grands sacs. Et dans un autre sac, vous voyez, il y a un coffre en fait. Et quand vous le prenez, vous entendez du gling gling gling. Il est pas fermé. Les tonneaux, c'est des tonneaux de bois. C'est des tonneaux en bois, pleins. Mais on sait pas de quoi. Il y a un robinet? Non, il y a pas de robinet, non. Non, faut percer le fût en fait. Bah on perce le fût. Ouais, j'en perce un pour voir. Ah, tu goûtes, tu vois qu'il y a c'est de l'alcool, on dirait du cognac. Je prends une petite rasade. Ah bah c'est du bon cognac. Bon cognac, ouais, mais bon, on va pas se balader avec tout dedans, hein. Bon, Vilmar, tu regardes le coffre? Je vide mon outre et je remplis mon outre de ce cognac. D'accord, ok, ça marche. Si vous voulez, vous pouvez remplir vos gourdes, effectivement, de cognac, hein, au lieu d'utiliser de l'eau. Bon, pour le froid, ça peut être pas mal. Hein. Pour le froid, ça peut être pas mal, même si ça réchauffe pas, c'est juste un sarquin qui... Apparemment, Elédouane veut que tu ouvres le coffre, Vilmar, afin que tu déclenches le piège qu'il y a. Oui, je sais pas pourquoi. Ah bon, je déclenche le piège alors. En ouvrant vers Elédouane. C'est ça. Alors, tu remarques qu'il y a aucun. Quand tu l'ouvres, tu fais même pas attention. Hein, tu l'ouvres, il y a pas de cadenas. Pof, tu l'ouvres. Tu vois qu'il est rempli de pièces d'argent. Putain, mais c'est quoi ces boulets là? Ils peuvent pas transporter des pièces de platine, non? Par contre, il en est rempli. Hein. Tu peux me faire un petit jet d'estimation comme ça dans la tour cachée pour voir à peu près combien il y en a? Il y en a pour au moins pour 6000 pièces d'argent. Enfin, 6000 pièces d'argent, ça fait 6 pp divisé par 4, je laisse les 6000 pièces d'argent. À Vilmar, il a besoin d'argent. Non, tu les laisses? Et puis il peut porter, ouais. Les pièces d'argent, on va rien foutre. Hein. Ça vaut rien. Non, mais je les laisse. Je les laisse. Je laisse le coffre à Fine. Je laisse les coffres aussi, si tu. Donc tu vous laissez le coffre de 6000 pièces d'argent. Ok, ça marche. Bah oui, non mais attends... On va pas chercher avec des PA, quoi. Merde. PA, Ça fait 60 pp. On peut prendre que des pièces d'or, mais en dessous... Vous pouvez l'acharner sur le... L'anarcher sur le comment, sur un des chevaux... L'anarcher, pardon. Sur un des chevaux. Tu ouais, bah en fait, ça fait quand même 60 pièces de platine. Bon, genre, je le mets sur... Ah, quand même, allez. Non, sur un, ça aurait été 6 pièces de platine. Bon, j'en dis non. Mais 60. Non, mais en plus il a pas de dette, donc tout va bien, quoi. Je sais pas, c'est bizarre. Moi j'ai pas compris son histoire, elle a l'air un peu. Je t'ai fait souscrire une dette encore plus grande, c'est tout. J'ai pas compris ça, hein. Moi j'ai compris qu'il y avait plus de dette. Ah ouais? J'ai compris ça, moi, mais c'est pas grave. Oui, je plaisante. Il est 23h40, qu'est-ce que vous voulez faire? Ah ok, ben donc on stoppe là, parfait. On reprendra jeudi 31.